Bonjour à toutes et à tous. Nous avons une chance inouïe. Nous avons un jeune oiseau qui vient de sortir du nid. C'est son premier jour de sortie. Il découvre un téléphone. Il ne sait pas trop ce que c'est. Il est magnifique. Alors nous sommes à Gilly-sur-Isère, partout, avec Betty, qui est une spécialiste, bonjour, de la biodiversité. Je vais vous faire voir quelque chose qu'elle a réalisé. C'est magnifique, c'est vraiment curieux dans cette maison. Elle a fait ici un nichoir pour les chouettes, c'est exact? C'est ça, pour la chevêche d'Europe. La chouette d'Europe. La chevêche d'Europe, ou la chevêche d'Europe. Et alors, il est squatté apparemment. Il est squatté, alors on a fait un nichoir à chevêche parce qu'on a des prairies alentour et donc je pensais que ce serait le lieu idéal pour les chouettes chevêches ou la chevêche d'Europe. Et c'est des rouges-queues à front blanc qui viennent nicher dedans. On a d'abord eu des mésanges charbonnières, maintenant des rouges-queues. Donc c'est la suite nuptiale qui vient. C'est la suite nuptiale, mais et pas de chouettes, les chouettes attendent. Pas de chouettes, du coup tous les ans on a le rouges-queues à front blanc qui vient et qui fait ses deux nichées de l'année dans ce nichoir-là. C'est assez fou ça. Alors expliquez-moi un petit peu, la spécialité c'est la biodiversité, on est là sous un tilleul. C'est ça. Ça sent bon, je ne sais pas comment dire, c'est magnifique là-dessous. On va aller voir un petit peu toutes les fleurs de tilleul, en plus beaucoup d'abeilles hein, qui sont là. C'est le moment. Énormément de bourdons, de cyrrhes, quelques coléoptères, beaucoup de pollinisateurs. Oui. Il est en fleurs depuis deux jours, donc là il y a notamment des abeilles, on a des voisins et de la famille qui ont des ruches et donc ils vont pouvoir peut-être faire du miel de tilleul avec tous les tilleuls en fleurs dans le quartier en ce moment. C'est excellent ça, le miel de tilleul. On sent l'odeur. C'est excellent. On sent l'odeur, on peut le récolter pour en faire de la tisane. Alors, vos spécialités, la biodiversité, vous avez d'ailleurs créé votre entreprise pour ça. Oui. Et votre maison, bah, vous l'utilisez pour mettre en pratique un petit peu ce que vous apprenez. J'utilise comme terrain de jeu, donc pour donner pour essayer d'attirer la biodiversité directement au jardin chez nous, pour qu'elle soit au plus proche de nous, et puis pour montrer et pour former et sensibiliser le grand public à toutes les actions possibles à faire chez soi dans son jardin. On entend que la biodiversité est en baisse dans les articles, dans les journaux, à la télé, mais tout le monde ne connaît pas les actions, des fois très simples, efficace et facilement réalisable chez soi pour déjà améliorer la biodiversité, plus de papillons, plus de criquets, avoir des amphibiens ou permettre leur préservation sur le long terme, des hérissons, les oiseaux. Et donc l'idée c'est que chez soi, de donner des petites billes, des actions. On peut le faire soi-même. On peut le faire alors, soi-même. Est-ce que vous pouvez nous emmener un petit peu? On va découvrir votre jardin qui est assez curieux d'ailleurs, j'ai remarqué. Alors déjà, vous ne coupez pas partout l'herbe. Pour quelle raison ? L'herbe est haute à beaucoup d'endroits, c'est ce qu'on appelle la prairie fleurie ou pelouse fleurie quand elle est plus basse. Donc là, c'est des zones non tondues, donc laissées un peu en libre évolution. Alors si on veut garder une prairie fleurie tous les ans, on est quand même obligé de la faucher une à deux fois par an, sinon ça devient un rancier qui est très bien pour la biodiversité, mais si on le veut, on va le choisir à un endroit, mais pas forcément partout. Donc ici, c'est pas un rancier qu'on souhaite avoir, c'est une prairie fleurie, donc tout simplement, on ne tond pas. On laisse pousser et puis soit on attend quelques années que la banque de graines qu'on a dans notre sol puisse s'épanouir parce que le sol est moins entretenu, il est moins écrasé, il est moins tassé par la tondeuse, par nos propres pas. Donc il y a des plantes qui ne se sont pas exprimées pendant des années, les graines vont pouvoir s'exprimer et sortir. Et l'idée c'est de leur laisser tout leur cycle de reproduction à la plante, aux fleurs. Donc la floraison pour permettre la pollinisation par les abeilles, par les bourdons, les cyrphes, etc. Mais aussi d'aller jusqu'aux graines, que les fleurs puissent grainer pour enrichir le sol des graines et puis pour les oiseaux granivores par exemple. C'est une gestion alors à l'année finalement. C'est une forme de gestion. Disons que ce qui est bien c'est d'avoir des espaces carrément on dit en libre évolution. Donc laisser des espaces, si on a assez grand chez soi, on peut laisser un espace qu'on n'entretient pas du tout. C'est très très bien pour la biodiversité. Mais souvent on est obligé de concilier nos activités humaines autour de la maison avec la volonté de la biodiversité. Donc on a un petit peu de gestion. Et là, vous formez les gens là-dessus. Alors, je rappelle, nous sommes à Gilly-sur-Isère, en Savoie, regardez, dans les Alpes du Nord. On a les montagnes. Les montagnes sont autour de chez Betty. On est vraiment dans un coin magnifique, regardez. Elle est vraiment, c'est un endroit superbe. Et c'est vrai que pour faire de la biodiversité ici, c'est le top, n'est-ce pas? On est en vallée entre deux massifs qui sont très riches, donc il suffit pas grand-chose. Et alors, vous m'avez dit aussi pour vos arbres. Alors, qu'est-ce que je vois qu'il y a même, c'est quoi? Alors là, c'est du chardon bleu.
C'est chardon bleu. Donc c'est vous qui avez semé toutes ces choses-là, alors, un peu différentes. Il y a des espèces, on a des massifs fleuris qui étaient là avant qu'on habite ici avec mon compagnon. Donc il y a des espèces horticoles, dans la haie c'est pareil, il y a des espèces horticoles. Mais l'idée après c'est d'avoir chez soi des espèces sauvages et locales, donc aussi bien en plantes vivaces ou plantes à fleurs, et aussi bien en arbres. Donc en arbres là on a des espèces horticoles, il y a du photinia, c'est pas forcément une espèce naturelle dans nos haies et dans nos bois alentours. Par contre l'idée c'est d'avoir des chèvrefeuilles, des aubépines, des arbres qui vont pousser naturellement dans nos talus, dans nos boisements, dans nos haies non entretenues, parce que ce sont les arbres qui vont être les plus adaptés pour nos espèces d'insectes, de papillons, d'abeilles. Les pollinisateurs ont besoin d'espèces qui sont adaptées à leurs pièces buccales sur lesquelles ils vont venir chercher le pollen, le miella et voilà. Alors on a un message qui nous arrive. Alors Evelyne, je ne sais pas où elle est, Evelyne ne nous l'a pas dit. Elle est la biodiversité. Alors j'ai du mal à lire le message. Vaste problème actuel, car 80% de celle-ci est déjà disparue. Je viens de créer un jardin pour retirer les insectes. Super. Pas d'insecticides, pas de pesticides, pas de fongicides. Eh bien merci Evelyne, apparemment Betty a l'air d'apprécier. Oui, c'est exactement ça. La première des choses effectivement, c'est d'enlever tous les traitements chimiques. Et pour pouvoir attirer, parce qu'un traitement chimique, si vous traitez un sol, si vous traitez des, vous voulez enlever des, ce que les gens appellent les herbes, les mauvaises herbes, elles sont pas forcément mauvaises, mais dès qu'on utilise des pesticides ou des traitements chimiques, ça élimine les espèces qui sont en dessous, qui sont dans le sol, dans la première couche du sol, les espèces qui sont dans la couche de la pelouse, et puis ça joue sur toute la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que les oiseaux insectivores vont diminuer en effectif, comme les hirondelles n'auront pas assez d'insectes pour se nourrir, et puis donc les rapaces qui pourraient manger des oiseaux plus petits, ça va nuire un peu à toute la chaîne alimentaire. Et l'idée c'est d'avoir un sol, c'est le sol la base, hein. Notre sol c'est lui le plus riche en faune, en microfaune, microflore, pédofaune, pédoflore on dit, et ce sol là plus il est riche, plus il va pouvoir donner d'habitat pour les espèces du sol qui vont être à la base de la chaîne alimentaire, donc les oiseaux, les coléoptères qui vont venir se nourrir des espèces du sol. Donc plus le sol est riche, plus il est source d'activation de la chaîne alimentaire. Bien sûr. Et puis, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais... pardon. Eh ben, vous fabriquez aussi des nichoirs, hein, je crois. Oui, alors on fabrique aussi des nichoirs. Et vous expliquez aux gens comment on les fabrique. Oui, je fais des ateliers de conception de nichoirs, donc je ramène des chutes de bois et puis avec les gens on fabrique les nichoirs, ils repartent avec leurs nichoirs chez eux. Donc on fait des nichoirs pour les oiseaux communs des jardins, donc ça va être les mésanges bleus, les mésanges charbonnières, ça peut être la citelle torche-peau, les grimpeaux des jardins. Et ces nichoirs, en fait on a des oiseaux cavicoles qui ne peuvent se reproduire que s'ils nichent dans des cavités, d'arbres ou de murs selon les oiseaux. Et ces oiseaux, dans nos jardins sont des fois trop entretenus, on ne conserve pas le bois mort, les branches mortes, les arbres vieillissants, les vieux arbres. Bien sûr. Et pour certains, c'est un manque d'entretien des jardins que de conserver ce qu'on appelle le compartiment bois mort. Et or, ce bois, ces vieux arbres, ces arbres vieillissants, ces trous dans les arbres, alors c'est sûr, l'arbre n'est pas en bonne santé, mais ce sont les arbres quasiment les plus riches en biodiversité. Et notamment, ils permettent d'accueillir les nichées de beaucoup d'oiseaux cavicoles. Donc les nichoirs compensent cette absence de vieux arbres dans nos jardins. Il y en a des choses à savoir. Alors on a, qui est-ce qui nous dit bonjour? Joseph qui nous dit bonjour, grave après-midi, bonne continuation. On a Rennes qui nous dit, je mets dans mon jardin des baies, jardin baies, l'osier pour ramasser les pucerons, les coccinelles que je trouve dans la campagne. Et on a Josiane qui dit bonjour d'Alsace. Alors bonjour à tous quand même de nous suivre, c'est très gentil. Là on a des fleurs magnifiques, ça voulait pas semer, ça c'est venu. Non, ça c'est venu tout seul, on n'a rien semé en prairie fleurie. Donc là ça fait 3-4 ans qu'on laisse la prairie, la pelouse pousser tout seul et fleurir sur des bandes comme ça sur toute la parcelle. Et donc ça fleurit tout seul, il y a énormément en ce moment de coléoptères, de papillons sur les fleurs à polliniser. Mais il y a aussi beaucoup de criquets, de grillons qu'on entend de plus en plus tous les ans, parce qu'au fur et à mesure des années, on a des rampantes qui se sont mises en place, on a des fleurs basses assez denses, qui fait que c'est très très dur à tondre ou à faucher, mais qui fait que ça forme beaucoup plus d'habitat. Il y a 3 ans, la prairie fleurie, elle était assez transparente, on voyait à travers les brins de fleurs. Aujourd'hui, ça fait vraiment des habitats, des caches. Il y a des herbes qui se plient, il y en a qui sont denses, il y a des couvre-sols parmi. Et donc, ça fait plein de caches. Donc, on a énormément plus de biodiversité, d'insectes
au fur et à mesure des années. Et donc c'est vraiment important, c'est la question du temps, la notion du temps. C'est-à-dire que nous, quand on fait quelque chose, on veut avoir quelque chose, même pour la biodiversité, on va vouloir faire une année et que ça produise tout de suite. Et ben la biodiversité, elle prend du temps. Le cycle de certains insectes, ça prend des fois 2 ans. Le cycle de certaines plantes, c'est long. C'est pas forcément on sème une année et ça pousse l'année suivante. Oui, il faut être patient pour avoir un bon résultat. Vous avez des espèces animales, d'insectes, de coléoptères, pour lesquelles les larves ne vont pas se faire sortir en une année et vont pas devenir un insecte volant en une année, mais en 2 ans ou en 3 ans. Donc il faut laisser le temps et voilà. Là, je vois que vous avez des arbres tous différents. C'est une raison? Oui, j'ai voulu avoir des arbres variés. Plus on varie sur sa parcelle, les essences des arbres, les espèces qu'on choisit, plus on attire de biodiversité différente. Vous avez des papillons, on va dire, il y a certains arbres ou certaines espèces végétales, on les appelle des plantes hôtes. Ça veut dire que, par exemple, l'ortie, c'est la plante hôte de certains papillons. Ces papillons-là, s'ils n'ont pas l'ortie, ils ne vont pas pouvoir se reproduire correctement. En fait, le papillon pose ses œufs sur les feuilles de l'ortie, et parce que les chenilles ne vont se nourrir que d'ortie et pas d'autres plantes. Et donc, il y a beaucoup d'espèces comme ça, végétales, et des arbres qui sont des plantes hôtes, notamment tous les arbres à épines. Alors, c'est ceux des fois qu'on ne veut pas trop, l'aubépine, tous les pruneliers, sont des arbres qui peuvent, alors pas toutes les espèces piquent pas, mais beaucoup piquent. Et en fait, beaucoup de ces espèces-là sont des espèces d'arbres ou d'arbustes qui sont des plantes hôtes pour des insectes. Donc plus vous variez les essences, plus elles sont locales, plus vous avez de chances d'avoir des espèces hôtes pour certains papillons ou pour d'autres insectes, et donc plus vous aurez de biodiversité. Alors, je rappelle, on est à Gilles-sur-Isère, là, on a en face de nous la belle étoile, on a derrière... L'Assemblée, on ne la voit pas, c'est le massif des Bauges qui est là derrière. Donc ce grand massif qui est magnifique. Alors, désolé, je veux dire un vrai petit paradis. Ah d'accord, ben écoutez, merci à Josiane. C'est vrai que c'est un joli petit paradis. Puis alors, j'ai vu qu'elle a quelque chose qui m'a fait sourire. Elle a des grenouilles. Ah oui, ben, il y a des grenouilles, elle a beaucoup de grenouilles qui chantent la nuit, c'est agréable la nuit. Ben, pour nous, oui. Elles chantent plus maintenant. Pour qui? Elle change jamais. Elles vont bientôt s'arrêter, la reproduction. Les grenouilles rousses et de couleur plutôt jaune rousse marron se reproduisent et font leur ponte plutôt en mars, avril. Oui. Donc les champs vont avec. Et les grenouilles vertes, là, sont à la mare depuis le mois d'avril jusqu'en juin. Donc elles chantent surtout au moment de la période de reproduction, lorsqu'elles sont à la mare. Une fois que la reproduction est terminée, alors les grenouilles vertes vont rester à la mare et chanter de temps en temps, mais beaucoup moins souvent. Et puis, par exemple, les crapauds, une fois la reproduction terminée, retournent dans les bois et les forêts. Donc on les entend plus, on les entend beaucoup moins à partir du mois de juin. Mais là, on les voit pas, par contre. Alors là, on voit pas de grenouilles, malheureusement. On aime bien les grenouilles à la place du village. La mare, c'est comme les jardins. Je laisse beaucoup de choses pousser pour qu'ils aient des abris et des caches. Évidemment, puis on va peut-être les effrayer et un donc, petit peu. Elles il y a une très jolie libellule qui vient de passer. Oui. Très très belle libellule. On voit que c'est un biotope. À savoir, pour les personnes qui connaissent là-bas, pas, c'est pas... Oui, c'est une grenouille verte. Ah, elle laisse juste dépasser les yeux. Oui, on va essayer de la voir. Une belle grenouille verte. Allez, un petit peu. Si elle ne plonge pas à nouveau, elle est magnifique. Hop, elle est partie. Trop tard. Je suis arrivé trop vite, un petit peu trop vite. Donc, à savoir, elle n'a pas accepté ma visite. Ceux qui ne connaissent pas, les libellules, elles font des larves qui sont aquatiques. Donc les libellules qui viennent en ce moment vont pondre dans la mare des petits œufs et ces œufs vont devenir des larves aquatiques très carnivores. Donc ces larves, c'est elles qui vont sortir sur les iris. Alors peut-être on en a. Elles ont leur peau, elles laissent leur peau et elles se transforment. Donc forcément, elles mutent en libellules. On les voit pas là, si. On a souvent, alors j'en ai déjà, je les ai montrés à la famille, donc j'en ai enlevé plein. Ah là, donc, vous ah. voyez? Là? Alors, ah oui, attendez, donc j'essaie ça... d'approcher. Donc là, on a une larve de libellule. Ouais, alors on a la mue, ça s'appelle une exuvie. C'est la carcasse de sa mue, de larve. Quand elle était aquatique, elle ressemblait à ça, dans la mare. Et donc, elle grimpe sur les plantes aquatiques. Et elle sort de l'exuvie, et quand elle sort, elle peut rester des fois plusieurs heures, parce qu'elle a besoin que ses ailes qui sont très humides sèchent au soleil pour pouvoir s'envoler. Et donc il reste la mue séchée sur les fleurs, sur les tiges, et puis la libellule part continuer son cycle de vie. Une très très belle libellule, magnifique ce petit biotope. C'est magnifique la France, ça fait une propriété, c'est assez curieux. Là on a du bambou,
Quand c'est pas une plante d'ici. Alors, c'est pas une plante d'ici, on fait partie des exotiques et en plus des exotiques invasives, c'est-à-dire que si on la laisse faire, le boisement de bambou, le système racinaire va s'éparpiller encore plus. Donc là, il était présent avant qu'on arrive. On l'a pas enlevé parce que c'est pas facile de gérer les plantes exotiques invasives. Ici, le boisement de bambou, il sert de dortoir à des centaines d'oiseaux tous les soirs. Donc les nuées d'oiseaux des tourneaux arrivent par nuées de 15-20 toutes les 10 minutes en soirée. Et puis on a la fauvette à tête grise qui niche dedans. On a eu un nid de pie cette année. Donc le boisement de bambou est vraiment très très riche en nichées, très riche comme dortoir du soir et de nuit pour tous les oiseaux. Et donc de fait, je le garde. Par contre, on le maintient pour pas qu'il s'éparpille et qu'il aille chez les voisins. Mais je le conserve en mode dortoir. Ouais, écoutez, c'est vrai que c'est très très dense. Hein. On voit que c'est très très dense. Eh bien, écoutez, on va avancer. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Donc, m'expliquer après. Donc, tous ces arbres, c'est pour permettre à la biodiversité de partir de cette forêt. Oui, alors l'idée après chez soi, c'est d'essayer de regarder ce que vous avez comme milieu alentour dans votre quartier. C'est-à-dire que vous avez peut-être des boisements et votre parcelle à vous est peut-être un intermédiaire entre deux boisements. Si c'est le cas, il y a besoin de corridors, de trames, on dit trames vertes, entre les boisements pour que des espèces... Alors des oiseaux vont rejoindre sans problème un boisement à l'autre s'il n'y a que 200 mètres. Mmh. Mais il y a des espèces plus petites qui ont besoin de se cacher ou qui ont, on dit, une petite capacité de dispersion. Ça veut dire que pour coloniser un nouveau milieu, elles ne peuvent pas aller très loin. Donc pour ces espèces-là, on a besoin d'avoir des trames, des corridors. Donc entre deux boisements, une trame verte, ça va pouvoir être une haie. Vous faites une haie, si possible continue. Ça permet aux espèces de passer par la haie pour rejoindre le boisement d'à côté. Mais pareil, entre deux haies, vous pouvez avoir une bande enherbée que vous laissez pousser comme une prairie fleurie. Et la bande enherbée servira aussi de corridor entre les haies ou les bosquets de votre parcelle ou de chez vos voisins. Donc ça, c'est vraiment important des fois de regarder au-delà de chez soi et de se dire, mon voisin, il a fait une mare ou il a fait un tas de bois pour le hérisson. Qu'est-ce que je peux faire chez moi pour appuyer ses actions? Et pas forcément pour vouloir être dans la concurrence ou se différencier des voisins. C'est très compliqué tout ça. Heureusement que quelqu'un nous l'enseigne. On peut appeler Betty quand même si on veut des informations. On mettra le lien sur sa page Facebook. Alors ça va pousser tout seul. Ça, c'est magnifique. Non, ça, c'est une espèce qui a été plantée par les grands-parents qui étaient ici avant. C'est du lys. Elle est magnifique. Il est en fleurs en ce moment. Très, très beau. Il est super. Et il sent très bon. Ça sent très, très bon. On a de la chance. Les gens qui nous suivent ne le sentent pas. Tant pis. Alors, on a Yuva qui nous dit bonjour de Kabylie. Ben, bonjour. Parce que vous avez très chaud là-bas. Mais aujourd'hui, il fait chaud en Savoie. Hein. Il fait chaud. C'est orageux. On dirait, c'est bizarre. Mais il fait très, très lourd aujourd'hui. Mais écoutez, Betty, je vous remercie quand même pour toutes ces informations. Donc, c'est votre métier, vous formez les gens, vous avez un site internet aussi. J'ai un site internet, voilà. J'ai une page Facebook et en fait, je peux proposer aussi bien des stands sur des événementiels. On peut faire des loisirs créatifs nature, mais je propose aussi de la formation sur comment améliorer la biodiversité chez soi. Donc, à partir de 4 à 6 personnes, on peut mettre une journée de formation. Je le fais sous forme de conférence et puis après, je fais des ateliers plus nature, donc des ateliers de bricolage nature. Mmh. Des animations pour les scolaires, pour les centres de loisirs, pour les groupes, les familles, si vous avez un événement familial. Donc des animations nature également. Parfait. Ouais. Et à combien? 50, 60 km d'Albertville à peu près? Je reste aux alentours d'un cercle à 1 heure d'Albertville. Voilà. Alors ceux qui habitent un peu loin, je vois qu'on a Bob qui a écrit de Cognac. Mais il faut venir en vacances en Savoie. Et pendant vos vacances, vous pouvez avoir un petit stage avec Betty. Avec grand plaisir. Betty, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. J'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, que les gens n'hésitent pas. Voilà, on peut vous écrire par votre page Facebook. Par mail, par la page et poser des questions. C'est super. Merci beaucoup. Merci Bonne continuation. Merci bien.